Ce matin, un poussin a mis. Ploup! Son père est très fier. C'est son premier poussin. Plus tard, il sera coq comme lui. Viens, mon fils. Tu as beaucoup de choses à apprendre. Je vais d'abord te présenter les animaux de la ferme. Voici le mouton. Le mouton fait bé. Monsieur Mouton, s'il vous plaît. Bé. Merci. Voici la chèvre. La chèvre fait mé. Madame la chèvre, s'il vous plaît. Mé. Merci. Voici à présent le cochon. Tu vois, il est rose. Il ne sent pas très bon. Et il a la queue entière bouchon. Le cochon fait croc croc. N'est-ce pas, monsieur le cochon? Parfait, merci. Et voici la vache. Elle fait meuh. Madame la vache, voulez-vous bien meugler pour mon fils? Meuh. Merci. Voici le canard. Le canard, lui, fait coin coin. Monsieur le canard, je vous prie. C'est que aujourd'hui j'ai mal à la gorge. Essayez tout de même, c'est pour mon fils. Coin coin, coin coin. Sera, merci. Et maintenant, mon fils, écoute-moi bien. Toi, tu dois faire cocorico. À toi maintenant. Piou piou. Comment? Je n'ai rien entendu. Recommence et plus fort, s'il te plaît. Prends bien ta respiration. Tout le monde t'écoute. Piou piou. Papa, je n'y arriverai jamais. Ça suffit. Notre poussin est trop petit. Tu vas le dégoûter du chant du coq. Juste une dernière fois. Regarde, je vais m'éloigner pour ne pas l'intimider. Mais alors, il faudra qu'il chante vraiment fort. Je dois l'entendre du fond de la cour. Pauvre petit. C'est beaucoup trop loin. Il n'y arrivera jamais. Il faut l'aider, voilà tout. Je veux bien essayer. Je ne promets rien, j'ai mal à la gorge. Mes amis, je compte sur vous. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Cocorico! Très beau cocorico. Mais dis-moi, on ne t'a pas un peu aidé? Stop! Notre fils a sûrement faim. Il est content de lui donner son déjeuner. Alors, papa coq picore un beau ver de terre et très tendrement, il le glisse dans le petit gosier du futur grand chanteur.